Mesdames et Messieurs les ministres et leurs représentantes, représentants, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ambassadeurs, ambassadrices et représentants élus du territoire et des Outre-mer, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et du développement et de l'investissement solidaire, chers amis, chers collègues, Marseille fut de tout temps une terre d'accueil, d'ouverture et de rencontres, un pont entre les deux rives de la Méditerranée, et c'est pourquoi je me réjouis particulièrement de vous accueillir ici, dans cette très belle ville et dans ce lieu magnifique. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, M. Emmanuel Macron, et la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, qui nous ont fait l'honneur de nous accorder leur haut patronage. Le Festival de la Francophonie, pour la labellisation accordée, ainsi que tous les partenaires et financeurs qui soutiennent le Forum Science for Action et qui nous rassemblent aujourd'hui pour célébrer les 80 ans de l'IRD. L'Institut de recherche pour le développement, ce sont de nombreux espaces sur les 5 continents qui se sont construits au fil du temps grâce aux chercheurs, ingénieurs, techniciens, volontaires. Ils ont permis des rencontres, permis de construire une science utile qui unifie, permis de transmettre et partager des savoirs et des valeurs humanistes, d'avancer vers des solutions permettant d'embrasser les enjeux du siècle dernier et présent. Une science universelle, partagée, ouverte, plurielle et respectueuse des savoirs. En 2004, Wangari Maathai, scientifique kényan, lauréat du prix Nobel de la paix, disait « Nous devons encourager la coopération scientifique internationale, car les défis que nous affrontons aujourd'hui ne peuvent être résolus par un seul pays ou un seul peuple. La science doit être au service de l'humanité, et il est crucial que les connaissances et les technologies soient partagées à travers les frontières pour promouvoir un développement durable et la paix mondiale. » Ces mots, je pense, résonnent particulièrement encore aujourd'hui. Si les missions de l'IRD ont évolué au fil du temps et dans un esprit d'agilité qui caractérise notre institut, elles se sont structurées autour de deux ambitions. La première, c'est la production de connaissances scientifiques au service de projets concrets de terrain. La deuxième, c'est l'appui à la transformation des sociétés vers des modèles sociaux, économiques et écologiques plus juste et durable, à travers les connaissances et aussi la reconnaissance des cultures et des peuples. La spécificité de nos missions, leur caractère singulier dans le paysage français et européen, les nombreuses mobilités croisées entre scientifiques, au-delà de l'augmentation avérée des compétences, ont fait naître un engagement et un supplément d'âme qui caractérise vraiment les actions de l'IRD dans l'agenda du développement durable. Déployer la science, c'est l'histoire de l'Institut et de l'ORSC et de l'Orstom avant lui, et elle est jalonnée de découvertes scientifiques, d'innovations dans des domaines aussi divers que la santé humaine, la sécurité alimentaire, l'agriculture, les sols, les ressources naturelles, les sciences humaines et sociales, et la liste est bien trop longue pour en tenter l'exhaustivité. Ces découvertes, ces avancées dans la connaissance sont le fruit de cette approche partenariale unique, basée sur des relations respectueuses, de confiance, tissées au fil des ans entre chercheurs des nombreuses institutions des pays partenaires de l'IRD. Ensemble, nous avons fait naître des synergies entre équipes scientifiques internationales. Nous avons façonné des espaces de recherche communs, démultiplié nos capacités de création, d'innovation. Nous avons bâti un réseau solide et solidaire. De nombreux collègues, partenaires et amis des 5 continents nous ont fait le déplacement aujourd'hui. Merci, merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Et je vous exprime toute ma reconnaissance et vous remercie pour l'hospitalité et l'accueil que vous avez toujours réservé à l'IRD dans vos pays et vos territoires. Cela a permis de construire ce maillage,
cette science universelle, plurielle, décentrée, qui sert la diplomatie de l'action engagée ensemble sur les enjeux globaux. L'IRD ne serait absolument rien sans vous, sans son réseau de partenaires que nous allons rassembler au sein de la planète IRD+, notre réseau d'alumni et d'anciens de l'IRD. Cette journée anniversaire, c'est aussi celle des nombreuses femmes et nombreux hommes qui font l'IRD au quotidien et qui montrent chaque jour leur attachement profond aux missions de notre institut. Merci à eux. Ces 80 ans nous confèrent, je l'espère, la sagesse, du moins une certaine expérience. Et c'est de cette expérience, de cette maturité, de notre longévité que nous tirons l'énergie, la conviction et la détermination nécessaires pour relever les défis qui sont devant nous. Partager la science. La science est là pour éclairer les décisions. Et nous devons accélérer le rythme, renforcer cette science des solutions de terrain et de proximité, la rendre plus influente dans le monde. Les défis, on le sait, se télescopent dans les régions les plus vulnérables du globe et les investissements humains et financiers à faire pour y répondre sont absolument cruciaux. Cela dépend de notre engagement à tous. Je n'oublie pas que nous sommes un institut public et redevable des moyens qui nous sont alloués chaque année et qui sont votés par le Parlement. Nous devons continuer de plaider pour un effort accru de financement de la recherche dans nos pays et territoires. En 2003, le rapport mondial sur le développement durable résumait le retard pris dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 et les changements transformationnels nécessaires pour mettre le monde sur la voie de la durabilité. Transformer l'avenir, c'est la mission que nous nous fixons chaque jour. Nous le faisons à travers nos programmes et dispositifs. Nous avançons à la cadence de la jeunesse que nous formons et que nous accompagnons dans leur créativité, leur capacité d'innovation. Aussi par l'écoute, le dialogue, la sensibilisation de la recherche aux sociétés et par l'appui à l'action publique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de celles et ceux qui font la science, la connaissance, la formation, l'innovation à l'IRD et qui portent haut nos valeurs d'écoute, de dialogue, de consensus, de partenariat et de partage. Ces valeurs ont permis pendant ces 8 décennies et offrent encore en 2024 un espace apaisé, propice à une action forte dans l'agenda de développement durable. Un espace d'influence de la diplomatie scientifique dans lequel la diversité est notre force. Fort de son passé, l'IRD est résolument tourné vers l'avenir avec pour premier objectif celui d'une science d'utilité sociale au service de tous, dans une stratégie multilatérale et pour une alliance positive, apaisée, décentrée, respectueuse et fructueuse entre les États et les sociétés. Je vous remercie de votre attention.